mambere, magiri kaka, reke reke, kokoriyako, koko mambere, magiri kaka. Ela kori jele, iye akokare. Ela bibi jele, iye akokare. Ela ibu jele, iye akokare. Ela kondrong jele, iye akokare. Ela tuksu jele, iye akokare. Ela arge jele, iye akokare. Koyal bara, iye akokare. Koyal bara, iye akokare. Koyal bara, iye. Nous allons voyager ce soir à travers monts et montagnes pour redescendre et atterrir dans un petit village. Mais, par Moselle, mais avant d'arriver dans ce village, il y a un adage de chez moi qui dit, c'est quand le vent souffle qu'on voit l'anus de la poule. Et c'est quand la grenouille tombe dans l'eau chaude qu'elle sait qu'il y a deux qualités d'eau. Autrement dit, nyaod burtan landong burte. Dans ce village vivaient deux frères, le cadet et le né. Ils sont sortis du même sexe. Le cadet avait une grande fille, Njegangtar, le nom de la fille. Et l'aîné a aussi une fille, Ireo. Les deux vivaient dans un village séparé. Ce jour, le cadet décida de venir et rendre visite à son frère aîné. Il prit son bâton et traversa le village, l'autre village. Il arrive dans le village, mais son grand frère était absent. Le cadet de demander à Djeganta, ton père est parti où? Oncle, c'est toi le seul à ne pas être informé de la situation. Il y a quoi? Le champ de mon papa là, le ciel est tombé dessus. Et depuis le matin, mon père est allé chercher des bois pour soulever le ciel. Hey! Bon, comme il est au champ et le ciel est tombé sur son champ, moi je repars. Mais s'il arrive, il faut lui tenir informé. Le père de Ndegangtar, qui revient du champ, essaie-t-il de l'informer que son oncle paternel est passé à son absence. D'accord, j'irai un autre jour le voir. Quand il y a le barlé, quand il y a le barlé, de gang tardé vous, et quand il y a le barbo, et quand il y a le barbo. Et le frère aîné décida également d'aller rendre visite à son frère cadet. Il entra dans la maison de son frère et remarqua l'absence de son grand frère. Il appela sa fille
viens de dire. Ton papa est allé où? Mon papa est sorti. Comme ton papa est sorti, apporte-moi de l'eau à boire. Aussitôt dit, elle courra dans la case. Et elle mit l'eau. Mais j'ai soif. Apporte-moi de l'eau à boire. Oncle, je suis devant une situation. Quelle situation? L'eau de ma mère et l'eau de ma belle-mère s'est mélangée. Alors je voudrais les séparer avant de t'apporter de l'eau à boire. Hey! Mais comment toi tu vas séparer l'eau avant de m'apporter à boire? Attends un peu, je vais les séparer. Wallahi tara oncle. Je suis en train de travailler là, mais entre-temps, elle ne faisait rien dedans. Et son oncle a compris que la fille de son frère est une menteuse. Mais entre les deux là, c'est l'autre fille qui est menteuse de Gangtar ou bien celle-là qui est menteuse, ouais. Toutes les deux, n'est-ce pas? Et le mensonge, je sais, est purement enfant et homme. Quand il y a le barré, quand il y a le barré, des gens t'as des mots. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut faire ça? Faites comme ça. D'accord, non, non, on va chanter avec. Ouais, tisselgue, tout le monde fait comme ça. Tisselgue, chantez. Tisselgue, tisselgue, tisselgue. Tout le monde, s'il vous plaît. Tisselgue, 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 maï bino. Tisselgue, il bino. Tisselgue, maï bino. Tisselgue, il bino. Tisselgue, maï bino. Tisselgue. Tisselgue, 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 tisselgue. Le mensonge s'envole comme un papillon. Mais le papillon pèse mille fois plus gros que le mensonge. Parce que léger soit-il, le jour où le mensonge est à découvert, le rattraper. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut vous délivrer. Le mensonge peut vous enfoncer. Même si ça vous fait vous en sortir aujourd'hui, demain, il vous enfoncera davantage. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ici pour vous mentir. Mais moi, ça ne va pas me rattraper parce que c'est l'histoire de mes anciens. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent venir compter avec nous? Il y a des gens, non? Par saison, non? D'accord, je vais demander à un compteur de venir. Qui va venir? Bien. Parce qu'il faut préparer la relève. Bien. Ton nom c'est comment? Mon nom c'est Séméry. Voilà, Séméry. Applaudissez pour Séméry. Bon. Avant de venir ici, j'ai pris l'avion pour aller dans le pays de Conte. C'est pour ça qu'on m'a dit de venir compter. J'ai une histoire. Hein? C'est Séméry, mon nom c'est Séméry. C'est pour ça que je suis venu avec un retard. Hein? Séméry, Séméry. C'est pour ça que vous m'avez dit de venir avec un retard là. Je me suis. Bon, au moins j'étais parti voir mes parents au village. On m'a dit de venir compter. Parce que dans ce village, il y a la famille. Il n'y a pas de micro. S'il vous plaît. Voilà, dans un village, il y a un pêcheur et sa femme. Ils vivent dans une condition misérable. Ils vivent dans une condition misérable. Son mari a décidé d'aller pêcher. Voilà, premier. Il était parti à la mer pour pêcher, ramener le poisson, puisqu'il ne peut pas ramener. Et sa femme, en attendant, sa femme en train de laver, faire la lessive. Maintenant, il a mis déjà son filet, il a attrapé un poisson. Un poisson, le poisson lui avait parlé. Il regarda le poisson, il a eu peur, il dit, mon ami, tu me laisses. Un animal qui parle à un être humain, il a eu peur. Il est dans l'embarras du choix.
comment tu vas faire? Est-ce qu'il doit laisser le poisson ou bien il doit attraper? Maintenant, le poisson a dit, mon ami, si tu me laisses tout ce que tu veux dans ta vie, je vais te donner. Maintenant, il a laissé le poisson. En rentrant maintenant, il a dit à sa femme, voilà, j'ai attrapé un poisson, mais il m'a dit de laisser tout ce que je veux, il va me donner. Toi, tu es con, va maintenant con. Notre bassin là, un mauvais là, va lui demander le bassin. Il était parti, en rentrant, il a trouvé sa femme en train de laver, faire la lessive avec un bassin neuf. La femme, comme vous voyez les femmes, elles ne sont jamais satisfaites, elles demandent encore autre. Il était parti demander encore à son ami, mon ami, ah, tu veux quoi encore? Le poisson était sorti, mon ami, tu veux quoi? Voilà, c'est ma femme là qui m'avait demandé, voilà comme notre maison est vieille là, on veut une autre maison. Rentre, tu vas trouver, en rentrant, il a trouvé la maison. Maintenant, la femme a dit, Kai, moi là, avec mes habits ou mes comportements, je veux devenir reine. Maintenant, il était parti voir son ami, ce qu'il demande son ami lui faire. Maintenant, elle a demandé, voilà, elle va être la reine du ciel et la terre. Et, maintenant, son mari lui a dit, Kai, ma femme, ça la même, ça me dépasse. Comme l'amour, il aime sa femme, il a décidé d'aller. Dis mon ami, voilà, ma femme a osé encore de me demander ce que je ne voulais pas faire. Mais comme tu m'as promis déjà, tu devrais m'aider. Dis voilà, ma femme veut être reine de la terre et du ciel. Le jour là, le poisson a disparu, jusqu'à aujourd'hui, la femme était restée. Était partie dans mon village, j'ai vu la femme là, elle est dans sa condition misérable, jusqu'à aujourd'hui encore. Je vous remercie. Applaudissez pour lui. Oh, reste combien? J'ai pas combien? 50, non? Reste, tu vas voir. Il y a de cela pas longtemps, dans un village, un tout petit village qui est perdu dans la forêt, vivait une famille. Une famille sans mère, un père veuve et son petit garçon. Mais cette famille n'avait rien à mettre sous les dents. Ils cuiraient toujours le reste de marmite d'hier. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans la marmite hier? Seul Dieu, seul le sait. Mais quand même, ils arrivent à survivre. Un jour, deux jours, le père mourut. L'enfant était resté à seul à 14 ans. Il n'a ni père, moins encore la maman. Et ce garçon, son nom était Prosper. Prospère qui veut dire la richesse. Mais Prospère était riche de nom, mais pauvre par toutes les activités. Et ce garçon voulait, coûte que coûte, respecter le nom que ses parents l'ont donné. Parce qu'en Afrique, on dit que le nom d'un enfant est le présage de quelque chose à venir, ou bien c'est le passé de ce peuple qu'on donne à un enfant. On ne donne jamais gratuitement un nom à un enfant africain. Et cet enfant, Prospère de nom, était sorti. Il mit une journée, deux jours, trois jours en train de chercher où faire fortune. Et au centième jour, il arrive dans un village où il trouva une petite fille. Une fille aussi de 13 ans qui est en train de pleurer sa maman. Son papa, excusez-moi. Cette fille pleurait son papa. Qui n'est pas encore mort, mais qui est moribond. Et puis, au prospère de s'approcher de cette jeune fille et le demanda. Pourquoi tu pleures? Elle dit, je pleure mon père parce que je n'aurai pas assez d'argent pour le faire enterrer. Et s'il meurt, je n'aurai pas assez d'argent pour me faire épouser. Donc ça veut dire que quand mon père meurt, je n'aurai plus de prospérité. Et le nom de mon père sera enterré. Mais Prosper a dit, moi je suis seulement riche de nom. Je n'ai que mes poux pour compagnons. Je n'ai que mes habits déchirés pour toute fortune. Si tu veux, si ton père veut de moi, si tu n'as pas peur de la peste que je porte, si tu n'as pas peur de ma maladie qui est la pauvreté, nous nous unirons par la bénédiction de ton père. Et le père sourit, tout moribond sourit à l'enfant et le dit, je vous donne ma bénédiction. Vivez heureux. Et Prosper prit sa femme et continuèrent leur chemin ensemble. Le père a cassé sa pipe. Arrivé dans un village,
ils trouvaient un chat très maigrichon, qui ne sait pas quoi mettre sous les dents. Et puis ils disent, prenons ce chat. Mais Prosper a dit, non, ma richesse ne serait pas faite là. Continuons. Et ils continuèrent ensemble. Ils arrivèrent dans un village où il n'y a que du sel. Le sel est tellement nombreux que les herbes même ne poussèrent plus. Et ils ont pris du sel et puis ils disent, faisons la route. Peut-être que la fortune nous sourira. Quand ils ont pris 3 sacs de sel, ils avancèrent et arrivaient dans un pays ou dans un village où il n'y a que de l'or, où l'or empêchait aux herbes de pousser, empêchait à la nourriture de pousser. Et puis, ils n'ont pas de sel. Et ils se disent, voilà, on a du sel. Si vous voulez échanger avec nous, l'or et du sel. Et chose fut faite, ils continuèrent leur chemin. Et arrivés quelque part, ils se sont installés. Prosper de nom était devenu prospère de renommée. Prosper de nom était redevenu prospère des activités. Prosper de nom était redevenu prospère de biens. Et c'est depuis ce jour que cet homme s'installa. Il s'installa dans un village où le roi entendit parler de lui. Il dit, je ne peux pas laisser cet homme au village, je l'amène au cœur de mon royaume. C'est pourquoi il a amené Prosper au cœur de son royaume. Et quelques temps après, le roi mourut et Prosper redevint roi parce qu'il n'y a plus personne après le roi qui serait plus riche que Prosper. C'est pourquoi Prosper redevint roi. Mais Prosper, lui aussi, commença à mettre au monde les enfants. Il mit son premier enfant au monde et il lui donna le nom de Néal. Ça veut dire rien. Ça veut dire, j'ai épousé ta mère avec rien. J'ai épousé ta mère avec rien. C'est pourquoi je vous ai dit que le nom donné à un enfant en Afrique est le présage ou c'est le souvenir vécu. Prosper eut un deuxième enfant avec une autre femme parce qu'il ne verra plus vers sa première femme. Et il le donna le nom de Temadji. Il eut encore un autre garçon qui le donna le nom de Lomaji. Et il eut encore un autre garçon qui donna le nom de Ronel. Mais Prosper traita la mère de Néal et Néal comme les derniers moribonds de la vie. Comme les bourricots. Ils étaient reculés dans un village très très reculé dans la forêt. On ne pouvait même pas les accepter au cœur du royaume. Parce que simplement il a épousé la femme, la mère de Néal, sans rien. C'est pourquoi depuis ce jour, Néal grandit un peu dans l'histoire de son père que la mère lui racontait tous les jours, au fur et à mesure. Et Néal disait, mon père était seulement riche de nom. Et il est redevenu riche de personnalité et riche d'activité. Moi aussi, je ferai aussi fortune. Mais maman, sauf l'homme qui ne connaît pas son passé, ne saura pas où il part. Mais l'homme qui connaît bien son passé aboutira toujours à des bons essais. C'est pourquoi il faut me raconter tous les jours l'histoire de mon père. Mais cet enfant Néal n'avait pour tout compagnon que ses poux. Ses poux qui déplaçait ses habits en pacaille. Ses poux qui déplaçait ses caleçons. Il ne savait pas où ils les ont placés. Et Néal grandit un peu. Quand le père mourut, Néal était redevenu l'héritier de la famille. Mais personne ne le consulta pour le partage des biens. Parce que les enfants favoris voulaient se partager les biens entre eux. Ce que les sages ont aussi accepté. Parce que Néal était rien du vivant de son père. Il ne pouvait pas être quelque chose à la mort de ce dernier. C'est pourquoi ils se partagèrent tous les biens de son père. Et il resta qu'une petite poussée. Un tout petit poussin qu'on dit, comme il reste un seul poussin, on ne peut pas partager entre 3 fils. Comme ce poussin n'est rien, donnons-le à rien. Et ils ont donné le poussin à Néal. Et puis, il y a un sage parmi les sages qui dit, mais est-ce que vous avez pensé à Néal? Et tout le monde a éclaté de rire et dit, est-ce qu'on ne peut pas, on peut penser à rien? Comme son nom est rien, est-ce qu'on peut penser à rien? Vous-même, est-ce qu'il y a un jour où vous ne pensez à rien? Est-ce qu'un jour vous ne pensez à rien? Donc on ne peut pas penser à Néal. Et quand on a donné à Néal son petit poussin, il l'adorait, il le caressait. Mais sa mère le disait, Néal, c'est vrai que j'ai honte de toi. Parce que si réellement tu es mon fils, si réellement tu es le fils de ton père, comme je suis sûr, tu dois revendiquer le bien de ton père et partager, faire le partage égal.
faire le partage équitable. Mais Néal a dit, mon père a débuté avec rien, mais moi je débute avec un poussin. À mes frères d'atteler leurs chevaux, d'atteler leurs vaches, d'atteler leurs ânes, moi j'attellerai mon poussin avec mon courage et ma vigueur. Et à nous, la course. Néal prit son poussin et il marcha. Il marcha comme son père l'avait fait avant. Il marcha, arrivé dans un village, il trouva une fille. Une toute petite fille, très mignonne, qui cherche aussi un mari. Mais le père avait tellement fait qu'il ne veut pas donner sa fille à quelqu'un de comme ça. Et Néal a étalé sa natte là. Il a fait une semaine en train de demander la main de cette fille. Mais le père ne l'accorda pas. Mais ce que Dieu fait, l'homme ne saura pas le dire. Le chien du père de la femme de Néal a mangé le poussin de Néal. Et comme cet homme est tellement pauvre qu'il ne pouvait pas rembourser le poussin de Néal, il a donné sa fille en mariage à Néal. Néal prit sa femme et est revenu au village. Il dit à maman, « Maman, mon poussin m'a donné une femme. Donne-nous ta bénédiction. » Et la maman a dit, « Aïe, mon fils, tu vas devenir quelqu'un. Je vais te rebaptiser, je vais changer ce nom pour que tu deviennes quelqu'un. » Mais en attendant, je pars à la pêche chercher du poisson pour venir prier pour ma belle-fille. Quand la mère est partie au fleuve pour chercher du poisson, Néal vit un homme qui est en train de passer avec son petit chat. Et puis il dit, ah, que ce chat est mignon. Si je trouve ce chat, je vais échanger avec n'importe quoi au monde. Et puis à l'homme de dire, donne-moi ta femme et je te donnerai mon chat. Néal a pris sa femme, il l'a donné à l'homme, il récupéra le chat. Et il est en train de caresser son chat. En attendant le retour de sa mère, quand la mère est revenue, il dit, Néal, où est ma belle-fille? Et au Néal lui dit, ta belle-fille, je l'ai échangée contre ce chat. La maman avait déchiré ses habits. Elle pleurait. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour me donner un enfant pareil? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça? Qu'est-ce que? Et puis il dit, va mon fils. Comme la mère a toujours le cœur tendre pour son enfant, je te donne ma troisième bénédiction. Va et que la main des ancêtres soit avec toi. Néal prit son chat, continuèrent leur voyage, allèrent jusqu'à dans un pays où il n'y a que les rats. Les rats mangèrent les hommes même crus. Et dans ce village, les gardes montèrent des gardes pour que les rats n'arrivent pas à toucher le roi. Parce que si on le laissait, le lendemain matin, on ne trouvera plus le roi parce que les rats vont le manger. Et quand Néal est arrivé, il est arrivé dans ce village et il est parti voir le roi. Il dit, le roi, moi j'ai la magie de se chasser les rats. Le roi a dit, je ne suis pas convaincu. Il dit, non, laisse-moi passer une seule nuit dans ton palais. Et si tu n'arrives pas à dormir, le lendemain matin, décapite-moi. Le roi a accepté malgré bon gré parce que Néal a tellement insisté qu'il ne pouvait pas refuser. Donc, Néal est arrivé. À minuit, tous les gardes ronflèrent. Arrivé à 2h du matin, le roi dormit. Le roi dormit. Dormit jusqu'à 18h. Dormit jusqu'à le lendemain à 19h. Dormit jusqu'à... Parce que c'est des années et des années d'insomnie. Et quand le roi se réveilla, il demande où est Néal. On l'a dit, il dit, Néal, je te donnerai tout ce que je possède par chiffre de sang. Mais laisse-moi seulement ta magie là. Néal échangea son chat contre chiffre de 100. Ça veut dire 100 esclaves, 100 bœufs, 100 caradors, 100 bœufs, 100 moutons, 100 ânes, 100 ans, 100 ans, 100... Et puis à la fin, Néal avait trouvé aussi 100 poignées de terre de ce royaume. Il prit tout ce qu'il possédait et puis il continua son chemin. Arrivé dans un autre royaume, ce royaume, le roi était connu pour sa cruauté. Le roi était très cruel, mais très riche. Mais Néal est venu, il trouva son fils, ce roi est mort, il trouva son fils qui sont en train de pleurer. Il dit, comme votre père est l'ami intime de mon père, je veux acheter sa dépouille mortelle. Les enfants ont dit, ça ne se fait pas chez nous. Il dit, s'il vous plaît, je veux lui rendre l'hommage qu'il mérite. Vendez-moi son cadavre.
Les enfants ont dit, nous, on ne peut pas faire ça. Il dit, je vous donne le chiffre de 100 de tout ce que vous voulez. Et puis, vendez-moi le cadavre. Les enfants se sont concertés. Ils disent, comme notre père, même de son vivant, il pouvait vendre mère et père pour avoir de la richesse, on ne peut faire que ce que lui nous a enseigné. Ils ont vendu le cadavre de l'homme. Mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils disent, Néal, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas regretter le geste que tu viens de faire? Néal a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous ne regretterez pas d'avoir vendu le cadavre de votre père à un inconnu? Ils disent, fais ce que tu veux, tout ce qui te chante, fais-le avec. Néal prit le cadavre, il le mit au milieu, parce que ce roi était tellement caduque que même son peuple ne l'aimait pas. Quand il veut voir son peuple sourire, il exige que le peuple sourie. Et c'est en ce moment le peuple sourit. C'est pourquoi le jour-là, il a mis le cadavre du roi au milieu du peuple. Et il a pris, vous savez le chicote des ânes de chameau là, non? Il l'a dit, il dit, lève-toi, on va rentrer. Est-ce que le cadavre peut se lever? Est-ce que le cadavre peut se lever? Il dit, hey, lève-toi, sinon tu vas sentir l'odeur de ça. Le cadavre, il dit, lève-toi! J'étais acheté avec le chiffre de sang. Lève-toi! Le cadavre ne pouvait pas se déplacer. Il chicota le cadavre devant les enfants, devant le peuple. Il le chicota. Tellement que les enfants commencèrent par pleurer leur père. Pleurèrent le cadavre, la souffrance du cadavre de leur père, mais pas la perte de vie de leur père. Et il y a un honorable de ce royaume qui dit, s'il vous plaît, rachetez le cadavre de votre père parce que, tel que c'est parti, personne ne vous respectera, tout riche que vous êtes. Donc, rachetez ça. Les enfants sont revenus, excuse-nous, donne-nous le cadavre de ton père, on te donnera tout ce que tu veux, on va te rendre tes chiffres de sang là, tes nombres de... Il dit non. On avait signé un accord. Est-ce que le peuple, on n'a pas signé un accord? Tout le peuple dit, oui, on a signé un accord. Il dit, ce cadavre est à moi. Le nombre de sang est à vous. Mais le cadavre est à moi. Je ferai de ça ce que je veux. Il le fouetta encore, fouetta jusqu'à fatiguer. Il part se reposer, il prit de l'eau, il but. Il dit, il revient encore pour fouetter. Et les enfants ont dit, tous comme un seul homme, on te donne toute la richesse de notre père, on te donne le royaume de notre père, on te donne le peuple de notre père, on te donne les champs de notre père, on te donne tout ce que notre père possède pour que tu nous revendes le cadavre de notre père. Et dit voilà. Il dit voilà. La cupidité est le plus profond où votre âme peut se perdre. Voilà que vous avez perdu votre âme dans la cupidité, dans l'océan de la cupidité. Il prit sa population. Il prit son armée. Il prit ses richesses. Il prit ses... Et il nomma un homme digne de son nom. Il dit, garde-moi mes terres, je partirai voir le royaume de mon père. Et c'est depuis ce jour que Néal, qui n'était rien, Néal qui on épousait sa femme avec sa mère avec rien, Néal qui avait pour tout et pour toute famille sa mère et ses poux, Néal était devenu un homme riche, si riche que son père ne l'a jamais été, si riche qu'aucun roi sur cette terre ne l'a jamais été par sa patience. Et Néal arriva dans le village et dit à ses frères, tout ce que nous possédons aujourd'hui n'est que vanité. La seule chose qui compte, c'est notre âme et notre avenir. Quand vous allez quelque part, demandez-vous d'où vous venez. C'est seulement ça, et ça seulement qui rendra à l'homme son honneur et sa divinité. Applaudissez pour vous. J'appellerai ici Adeline. Koya Albaré. Koya Albaré. Je raccorde une La loi du plus fort, on dit, c'est toujours la meilleure. Et dans ce conte, on va voir. Il était une fois, dans un village très très lointain, vivait les animaux. Donc il y avait le vin et ils ont comme roi Ngaïdé le lion. Donc
le vent à son passage détruisait tout. Et le pauvre moustique ne pouvait pas supporter. Le moustique a perdu toute sa famille. Ses grands-parents, son père, sa maman, tout le monde. Et il était resté seul. Il dit, ça, cette situation, il ne peut plus supporter. Il est parti se plaindre auprès de Gaïdé le lion. Il dit, vraiment mon roi, je ne peux plus supporter le comportement du vent. Le vent, c'est un assassin, un criminel. Il a tué tout le monde chez moi. Il ne reste que moi. Donc aujourd'hui, je suis venue pour me plaindre auprès de vous. Rendez-moi justice. Gaïdé le lion dit d'accord. Si c'est ça, je vais envoyer les gens aller me chercher le vent rapidement ici. Maintenant, le moustique dit, roi, le vent, si le vent arrive ici, moi je ne peux pas rester. Roi, pardon, si le vent arrive ici, je ne peux pas rester. Il dit, non, il n'y aura pas de jugement sans le vent. Faites-moi venir le vent et rapidement, c'est ce qui a été fait. Ils ont envoyé chercher le vent. Le vent est en train de venir en vitesse. À son passage, il a détruit tout un village. Les arbres, les herbes, il arrache ici jusqu'à. Et arrivé près de chez Gaïdé le lion, le moustique se lève, il se colle, il attrape fort la chaise du roi. Il dit, roi, n'est-ce pas, je te dis, si le vent arrive ici, moi je ne peux pas supporter. Non, reste tranquille, calme-toi, le vent va arriver. On va faire le jugement. Aujourd'hui, on va te donner raison. Le vent arrive, il a tout détruit. Voilà. Il enlève le moustique de la chaise du roi. Fiu. Il paraît net devant le roi. Le roi, vous m'avez appelé. Me voici. Ils ont dit non. C'est le moustique qui est venu se plaindre ici parce qu'il dit que vous êtes assassin, vous êtes criminel, vous êtes. Le vent dit, d'accord, chef, qu'on donne la parole au moustique de s'expliquer. Le roi dit oui. Il se tourne, il dit, moustique, moustique n'est plus là. Moustique est parti. Le vent, en arrivant, le vent l'a déjà emporté très loin. Maintenant, le vent dit, mais chef, comme moustique même n'est pas là, c'est que j'ai gagné, il n'y a pas de jugement. Hein? C'est qu'il ne veut plus se plaindre, c'est qu'il ne m'accuse de rien. C'est pour cela qu'il est parti. Donc, le roi est resté, il dit, bon, il n'y a rien d'autre à faire. Tu as raison, le roi. Tu as raison, lève-toi et va. C'est pour cela qu'on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Parce que le moustique ne pouvait pas supporter. Il arrivait du vent. Donc il est. Koyalvae. 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 Akokare. Moustique. Akokare. Chantez, non? Koyalvarle. Koyalvarle. Histoire, histoire, titime. Il était une fois, bien longtemps, après avoir créé le monde, le créateur a créé un homme le plus beau et seul au monde. L'homme, ah, oui, un peu, à peu près, mais... Et l'homme, chaque jour,
Il travaille seul. Il travaille en chantant. Il fait tout en chantant. Il laboure en chantant. Voici sa chanson. Hein? Tu connais la chanson? Non. Chante-moi un peu. Voilà. L'homme chante toujours. Il travaille en chantant. Il mange en chantant. Même s'il dort, il dort en chantant. Kemdogu banba, kemdogu banba, kemdogu banba. Mekongu banba, mekongu banba, mekongu banba. Aronel gubanba, ronel gubanba, ronel gubanba. Tous les jours, l'homme chante. Et le Créateur a vu l'homme comme ça, il dit, mais pourquoi tous les jours, mais quand, ronel, kendo. Mais ça veut dire quoi ces chansons? Tu as gratté la tête jusqu'à tiens. Je sais déjà, je connais ce qu'il faut pour cet homme. Le Créateur a pris la douceur du miel, les doux plumages des oiseaux, les chaleurs ardentes du feu, le froid de la neige, la dureté du diamant. En faisant synthèse de tous ces éléments divers, le Créateur a pris la femme et donna à l'homme. Ah oui! Et l'homme très content, il travaille un peu, au lieu de chanter, il rentre, il regarde d'abord sa femme si elle est là, et il repart travailler. Tous les jours, moitié travail, moitié sa femme. Et un jour, il dit, non, mais comment? Cette créature est venue prendre tout mon temps. Elle m'empêche de me concentrer sur mes travaux. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, l'homme a pris cette créature et elle a trouvé le Créateur. Ah, mon Dieu, vraiment, merci beaucoup, cette créature. Vous m'avez donné mes... Elle me dérange trop sur mes travaux, je ne peux pas me concentrer. Je suis venu vous la rendre. Et le Créateur dit, ok, comme elle t'embête, rends-la moi. Le Créateur a repris la femme. Trois jours plus tard, l'homme ne pouvait pas rester sans la présence. L'absence de cette femme le perturbait tellement qu'il ne pouvait pas aussi se concentrer et travailler. Il a tout abandonné et réfléchir seulement sur cette créature. Et un bon matin, l'homme repartit encore trouva le Créateur. Ah, mon Dieu, excuse-moi, la créature que je vous ai donnée me manque. Je sens les doux, l'autre, c'est mes doudous, c'est sourire doudou. Et je sens vraiment, mon Dieu, s'il vous plaît, rendez-la moi. Et, ok, comme elle vous manque, je vous la rends. Le Créateur a pris la femme et rendit à l'homme. L'homme repartit à la maison. Juste trois jours plus tard, il revient encore vers son Créateur. Oh, mon Dieu, je ne peux pas, je sais comment vous expliquer. Mais d'après toute mon expérience avec cette créature, elle me cause plus d'ennui que de plaisir. Je suis venu vous la rendre. Et le Créateur dit, oui, je peux prendre parce que tu ne peux pas vivre avec elle. Mais tu peux non plus vivre sans elle. Débrouillez-vous. Et le Créateur a tourné le dos. Et c'est comme ça que l'homme a pris sa femme. Et depuis ce jour, quelle que soit la difficulté dans le foyer, même s'il y a séparation, ils finissent toujours à se réunir. Parce que Dieu a dit, débrouillez-vous et restez ensemble. Quand il y a le barlet, quand il y a le barlet, à cocaré, quand il y a le barlet. Il y a parmi vous quelqu'un qui a un compte? Salam alaikum. J'ai contracté la maladie des copes, ma voix a changé. C'est pas grippe avère, hein, c'est l'urine. Allez, les guides, agression là, c'est. Ouais, et il y a des candidats ici? Baccalauréat, c'est le 6, non? C'est bon. Je n'encourage pas ça. On dit en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, voilà, c'est toute une bibliothèque qui se brûle.
On dit aussi que celui qui n'a pas le lait de sa mère à téter doit se contenter de la mamelle de sa grand-mère. Et si vous voyez un serpent sur un vélo, c'est qu'il a trouvé un moyen de pédaler sans les pieds. Il y a un autre qui dit, ouais, et moustique n'aime pas amusement, on applaudit. La moustique n'a jamais aimé. Et dit, moustique n'aime pas ça. Bon, on va parler d'une histoire très réelle qui s'est passée ici même, au sud du Tchad. C'est l'histoire des décrets, intégration, passation des services, quoi, quoi, là. J'écoute ça tous les jours à la radio, à la télé. On va parler de ça aujourd'hui. Il y a un colonel vers le sud. Et ce colonel devrait quitter pour qu'un autre vienne prendre sa place. Ah, c'était plutôt un commandant. Ouais. C'est pas grave. Donc quand l'autre est arrivé, ils ont organisé une cérémonie. Comme là-bas, il n'y avait pas une place de la nation, les gens ont fait un cercle un peu partout. Devant, derrière, à côté. Les gars, son niveau est vraiment élevé, qu'il est nul, quoi. Il a commencé son discours. Il dit, je salue la devanture. Je salue la dernière tire. Après, il jette un coup d'œil encore des deux côtés. Mais quel mot employer pour ça? Il dit, sans oublier les deux côtés. On dit, ok. Il continue à parler. Il dit, comme je quitte déjà, il faut que celui qui me remplace arrive à renforcer nos relations amicaux. Il y a son conseiller à côté, il dit, cale. Il dit, non, je ne cale pas. Il n'a rien compris. Pourtant, il lui dit de dire relations amicales. Il n'a rien compris. Quand il est passé, celui qui l'a remplacé, il était très gentil. Mais le gars avait des dents un peu comme ça, quoi. On l'appelle commandant Faucon. Tu viens, tu dis bonjour, commandant Faucon, Gachai. Viens, tu rassènes, je la rassène, Gachai. Salam alaikum, commandant Faucon, Gachai. Tu rassènes, je la rassène, Gachai. Et puis, il distribue l'argent là en désordre. Un jour, il y a un monsieur qui est venu, il dit, commandant, tu sais pourquoi on t'appelle commandant Faucon? Il dit, non, vous sommes là, dit, c'est commandant Faucon, c'est un nom français. Il dit, non, c'est pas bon. Le commandant qui était ici, là, avait un oiseau qu'on appelle Faucon. Son bec était comme ça. Et comme tu avais aussi des dents comme ça, c'est pourquoi on t'appelle commandant Faucon. Non, Chaibi. Il tira à la science en goumam sibet, goumam sibet. Le gars est rentré. Mais il était très gentil. Il est reparti signaler à tout le monde qui lui a déjà dit pourquoi on l'appelle commandant Faucon. C'est lui qui s'hasarde, c'est son problème. Tout le matin. Salam alaikum, commandant. Il dit, hey, wori alpadala, wori. Commandant, wori alpadala. Commandant, wori, wori. Il a insisté, les gars n'ont pas dit, il dit, wallahi, oh la jet dans. Durbak n'a pas dit. Je vous raconte une dernière histoire où deux frères, l'aîné est marié, mais le cadet restait célibataire comme vous. Ce jour, l'aîné qui est marié là est parti au champ et le cadet est resté à la maison. Sa femme qui vient et elle rentra dans la case de son frère cadet. Ah, tu sais, depuis que j'ai épousé mon mari là, c'est toi seulement que je veux. Je ne veux pas de lui, mais je veux faire comment? Et là, le cadet qui prit la fuite, la femme sorta aussi. Aujourd'hui là, tu vas voir. Aujourd'hui là, tu vas voir. Elle alla préparer le ngali là. Hein? La bouillie de tubercule. La bouillie de tubercule, non? Elle versa sur son pain. Et elle s'est mise à pleurer quand son mari arriva. Tu as quoi? Ton frère que tu nous as amené à la maison m'a pris de force. Il est parti derrière moi, dans la cage. Il m'a pris pour me violenter. Aïe! Alors?
préoccupation et laissa toujours son frère cadet à la maison. La femme répéta les mêmes scènes de la veille. Mais le jeune homme ne prêta pas attention à la femme. Il alla se réfugier sous un manguier. Son frère arriva du champ, la femme de l'informer que son frère l'a prise de force pour la violenter. Mais le frère n'a pas fait cas. La femme pleura, gémissait que son frère était obligé d'agir. Cette nuit, par malheur, notre jeune dormait en tenue d'Adam, bien sûr. Le frère aîné qui prit un couteau et entra dans la case de son frère cadet. D'un coup, pouf, il trancha son sexe. Oui, je vais faire comment? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Il pleurait et son frère ressorta sans rien dire. Tôt le matin, le frère cadet ramassa ses effets et quitta le village. Il alla se mettre au service des rois d'un autre village. Il travailla matin, midi, soir et il a fini par gagner la confiance du roi et le roi qui lui a accordé la main de sa fille. Le mariage fut fait. On amena la femme dans la case du jeune homme. Mais cette nuit-là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Ne me touche pas. La femme constata que son mari n'avait pas de sexe. Alla informer et se confia à une vieille dame. La vieille dame, au lieu de rester tranquille, tchon, 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 tchon. Gawala. Informa maintenant au père de la fille. Le père de la fille qui de dire, bon, il faut bien surveiller le garçon. Et là, la femme ne laissa pas le garçon. Un jour, le garçon alla pisser là. La femme a constaté que le garçon n'avait pas de sexe. Elle informa au roi Wallay. Wallay, Moïnda. Moïnda, je crois que c'est ça. Bon. Le roi de Dieu, pour les femmes, organisez, préparez la bilibili. Les femmes ont préparé la bilibili et appela les jeunes. Allez chercher le fagot. Il dit au plus ancien, au plus sage des jeunes, quand vous partez dans la forêt là, il faut bien vérifier, bien regarder mon gendre là. Et s'il y a lieu, il faut aussi organiser un bain. Comme ça, tu viendras me dire la vérité. Ils sont tous dans la brousse. Par malheur, un varan est arrivé là. Commencez par pourchasser le varan. Et les autres ont compris, ils ont laissé le varan. Mais lui dit, voilà, je vais mourir avec ce varan. Il l'a poursuivi, arrivé dans un trou là. Net qu'il a pris. Je vais te tordre le cou aujourd'hui, le varan de dire, pitié, laisse-moi la vie sauve. Je te laisserai la vie sauve à une condition. Si tu me rends mon sexe, quoi? Ton quoi? Mon sexe. Bon, laisse-moi, je vais te donner ce sexe, mais ne me tue pas. Le varan est là, d'ici là, 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 tout là, c'est le sexe seulement des hommes qu'on voit. Tout à quoi c'est toi? Il regarda et puis il a choisi ça là. Ah ah, ça c'est bon. Quand le varan a mis la CRC et se collait, nac. Et l'homme, le jeune homme là qui s'est dit, si je laisse le varan là, il risque de revenir et prendre sa chose là un jour. Il faudrait que je lui tord le cou. Et puis, il l'a tué. Il est revenu rejoindre le groupe. Ils ont cherché des fagots. Et puis c'est lui-même qui a proposé aux autres d'aller à la rivière se baigner. Quand ils sont partis à la rivière, là, les autres ont constaté. Et arrivé maintenant au village, il a dit au roi, mon cher roi, ce que la vieille femme a dit là, c'est des mensonges.
le gars a bel et bien son sexe. Le roi qui envoya chercher la vieille femme. Mais pourquoi tu as menti? J'ai menti comment? J'ai dit ce qui est vrai. Mes yeux ont vu. Tes yeux ont vu quoi? Allez, il faudrait décapiter la vieille femme. Et on a tué la vieille femme. C'est pour cela qu'on nous dit en Afrique, quelquefois, il faut se méfier des dires des femmes. Et quelquefois aussi, il ne faut pas vite parler. Parce que quand on dit, on ne peut pas rattraper la parole. Et on se retrouve à Tukraou, à Lamadji. Quand il y a le parler, quand il y a le parler. Je suis parti au village. Il y avait une femme. Une femme qui est belle.